tentation de l'esprit. Est-ce même de l'esprit qu'il faut dire? Les choses nous regardent. Le monde visible est un excitant perpétuel. Tout réveille ou nourrit l'instinct de s'approprier la figure ou le modeler de la chose que construit le regard. Ou bien le désir de former de plus près l'image ébauchée dans l'esprit fait saisir le crayon, et voici s'engager une étrange partie, parfois furieusement menée, dans laquelle ce désir, le hasard, les souvenirs, la science et les inégales facilités qui sont dans la main, l'idée et l'instrument se combinent. Font des échanges dont les traits, les ombres, les formes, les apparences d'être et de lieu, l'œuvre enfin, sont les effets plus ou moins heureux, plus ou moins prévus. Il arrive que ce dessin d'invention enivre l'exécutant, devienne une action forcenée qui se dévore elle-même, s'alimente, s'accélère, s'exaspère d'elle-même, un mouvement de fougue qui se hâte vers sa jouissance, vers la possession de ce qu'on veut voir. Life is long, with you I'll see it.